accueillir pour ce 14 juillet 2023. Donc toujours sur la place de la Fonderie et ensuite tout à l'heure pour un feu d'artifice grandiose comme tous les ans et à la clairière du bois de l'Élysée. Toutes les familles en tout cas sont en train d'arriver, il y en a pas mal qui sont déjà là. Et les enfants, les adultes, les jeunes, les moins jeunes, etc. dans une bonne ambiance. L'idée, c'est vraiment de proposer des animations d'été, de ramener de l'ambiance, une ambiance de détente familiale, avec notamment la musique cette année à l'honneur les années 60. Les années 60, puisque nous allons fêter les 60 ans d'Hérouville au mois d'octobre. Donc ça va de soi qu'il fallait faire une programmation des chansons, de l'ambiance des années 60.